Bonjour les amis, cette troisième vidéo vous fait voyager entre le parc national d'Otway et Port Ferry, en passant par l'incontournable visite d'Australie du Sud qui est celle des 12 apôtres, posée au cœur de l'océan. Toujours sur la Great Ocean Road, et vous verrez tout à l'heure, j'ai mis un accent particulier sur cette vidéo, à cette visite des 12 apôtres. Mais ce qui est aussi frappant pour commencer cette journée extraordinaire, c'est que le parc national d'Otway vous offre aussi une pluralité incroyable. On se croirait dans le monde de Jurassic Park. Vous êtes en relation directe avec le monde animal qui lui-même vit dans son espace naturel. Donc, vous voyez bien évidemment des kangourous, des koalas et bien d'autres espèces, mais toujours très difficile de les approcher. En tous les cas, je vous donne rendez-vous juste après pour mes quelques tips. En attendant, place aux images. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Cette journée fut tout simplement incroyable. Si vous êtes des amoureux de la nature et aimez les espèces animales, obligation d'aller au parc national d'Otway. Puis continuez votre route vers les 12 apôtres. Et là, s'il vous reste un peu de budget, offrez-vous le luxe de les survoler en hélicoptère. C'est tout simplement fantastique. Enfin, j'ai terminé ma journée par Port Ferry, qui est une ville au port de plaisance, très calme, avec de très jolies résidences. La particularité ici, c'est que les gens sont très attentifs à l'environnement et aucune de ces villas n'a une piscine. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau contenu. À très vite.